Zino qui est à mes côtés, directeur du marketing et coordonnateur de cette importante levée de fonds à chaque année pour le Téléthon. Et on peut compter sur votre partenariat pendant encore longtemps? Ah, sûrement. Je crois que le réseau, c'est vraiment, et je pense, je veux profiter de ce moment pour remercier. On a sûrement au-delà de 2000 personnes, incluant les bénévoles, avec nos 1800 agents dans 100 bureaux. On a 49 centrales téléphoniques. Et à eux autres, je veux leur dire chapeau. Après 13 ans, tout ce qu'ils font, année après année, repartir, c'est tout à fait incroyable. Et je pense qu'on n'a pas assez de mots pour expliquer ce qu'ils ont fait. Et garder la foi et garder après 13 ans, de toujours vouloir, année après année, se surpasser. Et cette année, tout à l'heure, je pense qu'on va vous présenter un chiffre qui est assez intéressant. Et pour nous, bien, j'espère qu'on va atteindre notre objectif le plus cher. Alors, merci Jean-Luc. Merci M. Cousineau. Et nous espérons vous voir absolument pour la finale avec de bonnes nouvelles, encore meilleures que celles que vous avez données jusqu'à maintenant. Sûrement. Merci. Vous nous apportez un montant incroyable, mais vous avez sûrement des remerciements à faire. Oui, on voudrait remercier les citoyens de Laval-Rive-Nord pour leur aide, la Banque nationale de Laval, le Courrier Laval et tous les annonceurs de la page bénéfice. Aussi, on voudrait dire un gros merci aux messageries Blainville-Deux-Montagnes et tous les commanditaires de notre page bénéfice dans la Voie des Mille-Îles. Ainsi que le Centre commercial Carrefour-Laval et l'École du parc Sainte-Rose. J'aimerais remercier le groupe solidaire de l'École Cure Antoine Labelle pour son implication. Merci au Centre commercial Place Rosemère et aux marchands de Laval-Rive-Nord qui nous ont aidés. Et un merci spécial aux gens et commanditaires qui m'ont supporté lors du marathon de Boston que j'ai terminé pour les enfants malades. Bon, on voulait lancer un SOS à Laval. On a besoin de vous à Laval. Appelez 625-2001. C'est facile et faites un don. Et aussi, on a une porte ouverte dont nos bénévoles vous attendent jusqu'à 22 heures au 360 Curie-Labelle chez Remax 2001. Donc, venez à grand nombre. C'est pas fini. On continue. Mais l'équipe Remax de Laval 2001 a un chèque de combien? 82 001 $. Merci beaucoup.